Yes, aujourd'hui, dans le fond, je veux faire de la finalisation sur le civique. Fait que, il me reste à monter l'intercooler, fitter un piflow, mettre la console là, en fait, dans le char, réinstaller l'aileron spoon. Mais avant ça, dans le fond, je vais vous montrer mon plancher parce que j'ai fini de le remonter, là. Fait que c'est mon banc passager, là, c'est pas mal à ça que ça va ressembler. J'ai juste mis ma plaque. Tu sais, on voit la plaque, la pas privée, le sealer. Puis j'ai repeinturé, tout devait être fait là, parce que de toute façon ça paraît pas trop, il y a le tapis là. En fait, c'est ça. Fait que je voulais juste vous montrer de quoi ça va l'air parce que. Parce que là, j'avais tout montré le début dans mon vidéo. Fait que. Bon, un an plus tard, j'ai enfin fini de remonter à l'intérieur. Puis je vous réserve une petite surprise là. Vous vous souvenez de quoi qu'il y avait l'air à l'intérieur avant? Bienvenue à bord du Civic, soyez-vous! Ben le voici maintenant! J'ai mis mon tapis de super rouge qui traînait dans le shell en avant avec des bancs de course, ceinture 4 points. Ça, j'avais ça depuis un an à peu près. Là, c'est juste que ça traînait. Je les avais pas installés. Fait que. Tant qu'à avoir tout enlevé, j'en ai profité pour réinstaller du truc pas trop stock. Puis. Ouais, j'ai quand même fucking out d'aller essayer ça là, pour de vrai, là, ce banc-là. Il est fucking pas propre là, comme qu'on peut le voir là, c'est pas trop propre, puis ça te manque les petits plastiques là, genre en tout cas on s'en fout là. Pour de vrai, quand je suis assis là-dedans, je suis fucking confortable là, ça ramasse les côtés de mon dos, ça ramasse le côté de mon cul. Avec les ceintures 4 points, tu bouges pas. Ceintures qui servent à rien, mais je sais pas, je trouve ça juste trop cool, ça fait char de course là, même si j'ai pas un char de course. J'ai ça bien, j'ai juste un Honda Civic là, excusez-moi. Mais non, pour vrai, je trouve bien là, je trouve ça bien cool. Fait que tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre la ligne d'exhaust sur celui-là. J'ai un cale déficit à peu près vis-à-vis ici là. C'est juste que en tout cas la dernière fois, vu qu'il est pas relié au moteur puis qu'il est plus ou moins relié en dessous à twister, puis là j'étais pas capable de la déficit. Fait qu'en tout cas moi, Jack essaie de m'enlever la roue, ça va peut-être me faciliter la job un peu. Puis dans le fond, une fois que la ligne d'exhaust va être installée sur l'autre char, je vais pouvoir remettre les roues. Là, c'est tout ce qui manque pour. C'est ce que j'attendais là en fait pour remettre les roues. Puis même qu'après ça, je vais pouvoir aller l'essayer, là, faire un petit tour là, sans le déclencher en malade là, parce que j'ai encore des balanciers qui sont pas là, puis un support qui risque d'arracher. Là, fait que je vais changer ça avant, là, mais quand même. On est bien proche, sérieux, de pouvoir aller essayer ça sur la route. Fait que. Sorry, j'ai pas gros filmé. Mais là, dans le fond, on a tout remis ensemble, puis c'est l'heure de l'arrêt. J'ai mis l'exhaust, puis j'ai mis les roues. Fait que. J'ai ça mis le bumper. On va espérer que ça tienne. Wow! J'espère qu'on entend ça sur la vidéo. Baisse ta fenêtre. Baisse ta fenêtre. Puis, j'espère qu'on entend ça. Oh my god! On peut faire une deuxième run? Ouais. Pas de blow-up, ça sent parler de turbo, man. C'est beau. À vous. On va aller ranger la bébête. Bon, ouais. Oh, ben là, dans le fond, j'étais sorti. Puis, ça faisait, mettons, une demi-heure, une heure que j'étais dehors, là, puis que j'ai commencé à taponner une coupe de cassin, puis là, ben,
commencé à mouiller real hard, fait que... Ouais. Je sais pas s'il va vraiment avoir une vidéo aujourd'hui, là. En fait, c'est hier puis aujourd'hui, fait que... Je suis désolé que la vidéo soit courte, mais c'est parce que les circonstances me laissent mal y aller. Mais en gros, il me reste à aller au garage pour faire souder mes cossins, là. J'ai un rendez-vous de prix la semaine prochaine. Puis, faut que je change mon power steering, c'est juste que j'ai pas la douille longue sur le gros ratchet. Puis, me trouver, dans le fond, faut que j'aille acheter une strap à power steering, puis des bottes pour mon exhaust. Puis, ça va pas mal ressembler à ça, là. Après ça, je vais pas mal avoir fini, fait que... Éventuellement. Ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui hier. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!